Sur les images, nous voyons la prison de Kasongo où le prophète Simon Kimbangu a séjourné 30 années durant. Et là, c'était la petite cellule de la prison de Kasongo. Et c'est après que vous verrez comment est-ce que le corps du prophète a été exhumé. Le prophète Simon Kimbangu, pour qui nous commémorons ce dimanche, puisque c'était le 12 octobre, c'était le mardi, le 31e anniversaire de sa mort odieuse, survenu en 1951 dans sa cellule de prisonnier à Lubumbashi, est né le 12 septembre 1887 en Kamba, dans la sous-région de Cataract, région du Bas-Zaïre, de papa Kouyela et de maman Louézi. Le destin lui arracha très tôt ses parents et fut élevé par sa tante Kinzembo. Devenu adulte, il cultiva la terre aux côtés de son épouse, maman Mouilou Marie, avec qui il eut trois fils, dont sa grande Kisolokele, sa grande Dialungana et son fils Diangenda Kuntima. Kimbangu fit 4 ans d'études primaires à la mission baptiste BMS de Gombe-Loutété, à moins de 10 km d'Nkamba, où il fut baptisé en 1915. Chrétien modèle, les missionnaires protestants n'hésiteront pas à le nommer catéchiste dans son village. Vers les années 1918, Christ lui apparut et lui chargea d'une mission de plus grande, celle de paître son troupeau. Simon répliqua en disant qu'il n'était pas assez savant pour remplir cette besogne qui relevait des droits aux pasteurs et aux gens plus instruits. Mais Christ insista. Les appels du Christ furent pressants et Kimbangu s'en ira se réfugier à Kinshasa, abandonnant sa famille, où il fut embauché aux HCB, Huileries du Congo belge, actuelle compagnie Lever Zaïre, comme pointeur. Un mauvais sort le poursuit. À chaque jour de paye, son salaire était acquitté par un inconnu. 3 fois de suite avant qu'il ne se présente devant l'agent payeur. Christ, toujours lui, ordonna Kimbangu de regagner le village pour débuter sa mission. Chemin faisant, à Kasongo, alors qu'il traversait la voie ferrée, le policier Fumfu lui arracha son maigre sachet qui contenait 3 poissons fumés et de la chikwanque que les amis lui ont donné pour soulager sa chère épouse et ses 3 enfants restés au village. Au matin du 6 avril, Simon Kimbangu, alors qu'il s'en allait au marché d'Ensona Kiyenzi, accompagné de son fils aîné Kisolokele, fut contraint par Christ de guérir maman Kantondo, alors agonisante, en lui imposant les mains au nom du Christ. C'était un Kombe Kinsuka. Kimbangu se voit attirer des milliers de gens par son message de l'évangile et ses guérisons miraculeuses. Les gens croient en Dieu, les fétiches sont jetés, les paralytiques marchent, les aveugles recouvrent la vue, les morts ressuscitent. La foule sent la présence de Dieu parmi elle par l'action de Simon Kimbangu. Les morts se font rares, les hôpitaux se vident au profit de Kimbangu. On sent et on a horreur à faire du mal. Ceci se passe au vu même des missionnaires et de l'administrateur Morel qui est descendu en Kamba le 11 mai 1921 pour mener l'enquête. C'est suite aux plaintes des missionnaires qui l'accuseront froidement